Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle édition. Rendez-vous pour mardi 29 octobre 2024. Là. Moi, c'est Jacqueline Bélisère. Quel est un grand point qui a dominé l'actualité? Actualité électorale là, aux États-Unis, dans un moment arrêté une semaine pour l'élection présidentielle 5 novembre. Candidats ont continué à multiplier rassemblements et apparitions médiatiques pour convaincre électeurs indécis. Région Moyen-Orient en Israël, Parlement voté pour interdiction fonctionnement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens UNRWA dans Palestine pendant la guerre a continué dans la région. Et puis dans le pays d'Haïti, et demandé Mambliyo qui dans le gouvernement pour ne pas siéger à KPTA avec présence membre qui impliqué dans le scandale corruption BNCA. Bonsoir, on le fait encore dans le chapitre élection ici aux États-Unis. N'a pas accueilli Jean-Robert Philippe. Jean-Robert gagne un pile secteur dans la société ici aux États-Unis qui a gagné gros influence dans l'élection. Donc, Jodia n'a pas considéré Jean-Robert communauté LGBTQ plus là, Jean-Robert. Effectivement, Jacques, j'en dis à un moment manqué, une semaine pour l'élection déroulée, et bien, deux candidats, eux, n'a pas eu de Kamala Harris avec Donald Trump, et bien, il a accéléré, campagne a mené dans sept états clés, avec une attention spéciale sous groupe LGBTQ plus là. Candidat parti républicain Donald Trump avec rival démocrate Lee Kamala Harris a courtisé communauté LGBTQ plus là. Donc c'est monde qui garçon ma commère, mesdames mon compère, monde qui change sexe avec monde qui pas qu'à identifier tête comme membre un sexe ou bien l'autre là. Segment électeur ça yo capable de faire une différence dans sept états clés qui capable décider prochain locataire Maison Blanche là. Candice Kane t'a aidé à normaliser la présence étrangère dans la série drama à télévision Dirty Sexy Money, ça a gagné 15 ans. We can't go backwards. Dans l'élection 2024, là, Candice Kane déclaré victoire difficile pour doit LGBTQ plus été remporté, gain gros risque sous lui si candidat parti républicain Donald Trump remporté l'élection. Non pas capable de faire demi-tour. Parti républicain a essayé de faire demi-tour dans une période côté seulement un groupe monde qui a droit. C'est vraiment important et effrayant. Mais comme pays, on a choisi de faire ça qui est bon. A-t-il eu supporté Trump à cause de bon dossier comme président? I like the ultimately the results that he had because the economy was so good, the border was pouvoir. À cause économie anti bon en pile, te gen problème sous frontière, c'est vrai, mais pas tant que j'en ai jodi a. Un rapport Pew Research publié moi j'ai passé a montré environ moitié supportait Trump yo déclaré légalisation mariage monde même sexe aux États-Unis pas bon pour société a. David Keane déclaré Trump pas représenté une menace pour mariage monde même sexe. Cherchez Ariel Johnson exprimer inquiétude li. Pour lui, Trump capable menacer mariage monde même sexe et capable mettre en danger et statut immigration madame li. Johnson a ajouté pigou souci li gagner concernant républicain yo, ces restrictions pour monde faire ou pas faire petit. Donc au fertilisation in vitro IVF qui c'est une question controversée jodi a. Pigou organisation LGBTQ plus républicain manifesté moi ça en faveur Trump dans sept états clés qui c'est Michigan, Georgie, Wisconsin, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Arizona et Nevada. Cet état clé qui est capable de déterminer vainqueur élection. Pour Harris, Comité national Parti démocrate l'a financé une campagne publicité médiatique à Will Vote. On peut le voter dans 16 publications LGBT+. Sondage groupe militant campagne droits humains LGBTQ+ publié mois passé a montré 90% américains LGBTQ+ inscrits motivés pour voter dans l'élection 5 novembre. Sondage ça by Harris a presque 67 points avantage devant Trump parmi électeurs LGBTQ+. Effectivement, Jacques, j'entendais jeudi à gagner ancien président Donald Trump qui a mené campagne en Pennsylvanie et puis gagner Kamala Harris qui était à Washington et qui a participé à un meeting populaire tout près Maison Blanche là, même côté ancien président Donald Trump, t'es prononcé discours qui t'es chauffé tête supporté Lyon 6 janvier 2021, Jacques. Merci Jean-Robert Philippe. N'a prêté toujours dans chapitre élection ici aux États-Unis et nous prenons dans New York avec Valérie Saint-Louis qui pral dit nous rôle la jeunesse dans l'élection aux États-Unis qui rôle est capable de jouer pour déterminer nouveau président
ici aux États-Unis. Récemment, leader étudiant dans Montgomery College, dans la commune Rockville, qui est dans l'État Maryland, a créé un simulacre bureau de vote ensemble avec un échantillon bulletin vote et puis a invité officiel élection puis a venu faire éducation électorale dans l'école. Là. C'est un effort pour préparer élèves pour y aller voter dans l'élection présidentielle aux États-Unis dans quelques jours qu'à venir là. Britney Green, c'est un organisateur dans l'exercice simulacre vote ça. Today's event was all about événement jodi a été basé sur éducation électorale et puis fait moun yo wè biro vote yo puis wè sa ki yo pral fè comme expérience dans biro vote yo. Participants yo tankou Akman Demeng semblait bien apprécier exercice ça. I just want to see how it feels like voting for the first time. Moi juste vle wè ki jan santou tankou lè w ap vote pou premier fois. Ça c'est première fois moi pral voter dans élection présidentielle là. Jeune voter ça yo pote attention yo sou une série de problèmes qui important dans élection ça. Problèmes financiers avec dette pays. Moi, t'as dit changement dans le climat important et puis droit monde pour faire petit. Dans la course présidentielle là, ici aux États-Unis, entre républicain Donald Trump et démocrate Kamala Harris, puis fort étudiant, nous t'ai fait interview ensemble avec eux, pas de dire nous pour qui moun yo pral voter. Mais dans l'État Maryland, il y a une grosse majorité moun qui démocrate. L'État a allé en faveur Kamala Harris. C'est comme ça nous demandé leader jeune républicain dans l'État de Georgia, Jacqueline Hahn, qui problème qui est important pour républicain pareil yo. Pour un pile moun, l'idée dit nous c'est économie. Entre logement ak inflation ak prix market et puis prix gaz qui a augmenté. Li pa bon d'ap di tout pour moun vivre et puis gen yon famille ces jours-ci. Et puis nous demandé le tout qui façon que campagne yo ta doué faire pour yo rive joine jeune voter yo. Ou pas rive joine yon électeur sa yo rele Gen Z yo avec système appel en groupe yo sous téléphone ou soit yon appel direct dans téléphone yo parce que yo probablement gen yon bloc sous téléphone yo ou soit yo juste pas pral répondre un numéro que pa konnen. Nous c'est une génération média social. Tout ça nous garder yo c'est sur réseau social yo. Harry Sisson c'est yon influenceur médias social qui démocrate, les dit que le d'accord avec ça. Moi, t'as dit que l'application nouvelle pour jeunes mounio, c'est probablement TikTok. Ça, c'est plateforme principale, moi. Moi, pensez que c'est surtout parce qu'il est facile. En pile dans ce segment nouvelle, yo, que nous, ouais, sous TikTok, c'est 30 à 60 secondes que yo y est. Entre temps, dans la commune Herndon, dans l'État Virginia, yo supporte Kamala Harris, Camila Alvonzo Meza, marché Alkaï en Kaï, dans espoir pour l'encourager mounio à voter pour candidat Pali. Yo pas toujours l'ouvri porte pour lui, mais le Kembela, lui pas découragé. Lidino, depuis que Kamala Harris a passé président Joe Biden, course présidentielle là t'est dynamisé pour jeunes démocrates. Alfonso Meza pensait que bloc voteur catégorie jeunes ça occurrer les Gen Z qui gagne plus passé 40 millions jeunes là-dedans yo, qu'a fait une différence réelle dans élection présidentielle ça yo k'ap vin là. Lowell Bowman pour VOA News, adaptation Valerio Saint-Louis pour VOA Creole. Donc il y a un pile couche dans pays qui pourrait jouer un rôle et vraiment important dans le choix nouveau président. Pendant ce temps haïtien dans diaspora puis précisément en Floride, gagne attente par rapport à nouveau président. Luxon Saint-Ville t'est parlé à quelques là-dedans. Partisans qui a plongé affiche by moun qui a passé, citoyens qui a fait rentrer sorti dans bureau vote qui permet citoyens voter bonheur. C'est comme ça ambiance là dans diverses zones dans Miami et Fort Lauderdale dans l'état Floride dans communauté haïtienne nan, majorité citoyenne parler à qui déjà connaît pour qui est a voté. Bon élection 2024 là c'est une élection et nous capable dire c'est une élection historique. Alors moi-même clair moi-même campé de Kamala Harris parce que me senti histoire de fête. Bon on pas dans lutte lié. Kamala a besoin de place là, Trump même. Il voulait Folgen. Finalement, on va comme ça, bon. Je vais bon Kamala. Bon, son filié, peut-être la bien pitié pour fille pareille. Pour femme qui a passé misère. Et moi, c'est une élection qui est très facile. Moi, c'est une élection que Trump a passé avec un pile couleur. Et moi, ouais, son élection qui a un pile question là dans tout, même avec 2020. Et conseil de petit discrepancy, et différence qui a monté dans le domaine. Nan. Mais nous avons suivi pour nous. Ouais. 5 novembre, tout haïtien a voté Trump. Parce que si nous avons voté Kamala, c'est même continuité à voter. Vous comprenez, moi, je dis ça, c'est même continuité à voter. Ça veut dire que pas aimé Haïti vraiment soit voter Kamala ou pas aimé Haïti. Mais qui a eu une élection? Nous tout après t'étonne. C'est bon Dieu qui a fait, pas nous qui a fait. Même si nous avons voté, c'est bon Dieu qui a travaillé. N'importe ça qui est bon, you're welcome. Pas de problème. Parce que faut nous avons un dirigeant pour diriger nous. Si nous avons un dirigeant à Haïti, notre position à Haïti est là, nous ne pouvons pas faire ça.
N'a pas rappelé depuis 21 octobre qui s'est passé là, qui cette date autorité te l'ouvri officiellement bureau vote pour permettre citoyens de voter bonheur. Jusqu'à hier en après-midi, gagné presque 4,6 millions citoyens qui déjà voté dans l'État Floride, ça qui représentait un tiers dans électeurs qui inscrit pour l'État ça. Chiffre ça réparti comme ça, plus passé 2 66 000 républicains et plus que 1,5 million démocrates qui déjà voté à quelques jours de l'élection. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Actualité dans la région Moyen-Orient, le Parlement Israël a approuvé un projet qui interdit fonctionnement agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens (UNRWA) dans Palestine pendant que la guerre a toujours à continuer dans la région. Détail avec Gentil Augustin Junior. Malgré opposition États-Unis, législateurs israéliens ont voté proposition loi à 92 voix en faveur et 10 contre. Porte-parole département d'État américain Matthew Miller dit: Ils ont vraiment joué un rôle qui pas qu'à remplacer Kounia dans Gaza parce que ils ont en bonne position pour joindre aide humanitaire pour bail moun qui n'en besoin. Gen en pile réaction après parlement Israël là interdit agence Nations Unies pour fonctionner dans la région. Chef UNRWA, Philippe Lazzarani, dit dans une note, interdiction Israël sous opération organisation en dedans pays a pral aggraver souffrance palestinienne si tout dans Gaza. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, bon côté parle dit, appliquer loi ça ka gen yon conséquence dévastate. Porte-parole Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens dans Jérusalem dit après interdiction: UNRWA pas qu'à remplacer. UNRWA c'est essentiel là. Réfugiés palestiniens yo exprimé inquiétude yo jeudi mardi 29 octobre là sous proposition loi israélien qui interdit fonctionnement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo. UNRWA pour nous c'est un état, li bay éducation, manger, service médical et tout service nettoyage. Législateur qui t'a écrit proposition loi ça, t'a mentionné participation quelques personnels UNRWA dans attaque qui t'a faite dans site Israël 7 octobre 2023. Yon l'autre côté, Rad, Liv l'école, Akmeb, gayé nan mitan de brio jodi mardi 29 octobre là après yon attaque Israël dans Bekaa dans Liban. Après président Biden fin voté dans Delaware, dans vote bonnet, l'ité répond question journaliste sous la guerre Gaza et dit: nous besoin yon se selfie. Nous ta dwe mette fin dans la guerre ça, alors que hier lundi ya, groupe armé Hamas la publié yon vidéo côté ap attaqué yon chalame Israël la nan Jabalia. L'armé Israël la bon côté parle, dit soldat yo te arrêté environ 100 militants Hamas yo suspect pendant attaque yo sous l'hôpital Kamal Adwan dans Camp Jabalia. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis hier dossier Moyen-Orient ça, et ben surtout à attaque Israël sous Iran et dans mitan yon réunion dans Nations Unies. Marie-Lise Pierre, gen détail. Les États-Unis ont averti Iran en Conseil de sécurité des Nations Unies lundi 28 octobre passé sous conséquences graves qui a gagné s'il entreprend n'importe l'autre acte agressif contre Israël ou soit personnel américain dans Moyen-Orient. We will not hesitate. Nous pas pas hésiter à agir dans la défense propre tête tout. C'est pour pas gagner aucune confusion. États-Unis pas veulent plus escalation. Nous quoi ça t'a doué une fin dans échange direct dans tirer coup de zame entre Israël avec Iran. C'est ça ambassadeur américain aux Nations Unies Linda Thomas Greenfield te dit conseil 15 mois blanc. Conseil sécurité a été rencontré après Israël t'a frappé factory missile à l'autre site dans Iran avant d'ouvrir jour samedi passé à. C'était vengeance pour attaque qui était faite dans Iran 1er octobre là sous Israël à peu près 200 missiles balistiques. The responsibility for this dangerous escalation lies ambassadeur Iran Nations Unies Emir Saïd Iravani accusé Washington comme quoi il est complice grâce à support militaire pour allier l'IA. Iran était toujours défendre diplomatie, il était dit conseil là. Cependant, comme un état souverain,
République islamique Iran réserve le droit pour répondre dans un moment li choisi zak agression ça. I for the pact of terror. Ambassadeur Israël aux Nations Unies Danny Danon demande au Conseil de sécurité pour imposer sanctions qui pas gain en pile sur infrastructure militaire et économique Iran et puis prend mesures qui nécessaire pour empêcher un régime fou vive jouer une capacité nucléaire. Il était décrit attaque Israël sur Iran comme mesurée et proportionnelle. Et il était dit que il a continué de faire tête. Ambassadeur des Nations Unies, la Chine, Fu Kong, demandé pour Conseil de sécurité des Nations Unies en prendre action pour pousser pour un cessez-le-feu tout de suite dans Gaza, à qui on désescalade dans la bataille entre Israël et Liban. Ambassadeur des Nations Unies, Barbara Woodward, il dit que Iran n'a pas dû répondre à l'attaque Israël en fait ce maintenant. Il était dit tout côté où doit faire exercice contrainte. Pas gain aucun bon bagage qui arrive dans vider plus gaz sous flamme du feu ça capable augmenter violence là. Toujours dans actualité internationale, la 16e conférence Nations Unies sur biodiversité COP16 a déroulé dans ville Cali dans pays Colombie. Dans occasion conférence ça a gagné quelques autorités, quelques chercheurs pendant il a présenté crise climatique là mentionné un paquet pied bois qui essentiel pour avenir planète là gain plus soit 16 000 espèces pied bois qui menacées pour yo disparaître et étude ça qui fait sous pied bois ça yo tout profiter lancer un appel pour sauver pied bois ça yo qui protéger l'avenir. Conseiller de l'autre côté, conseiller président haïtien Leslie Voltaire, eh ben, t'es tout profité de forum ça pour rencontrer avec secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres et réaliser plusieurs rencontres bilatérales. Faut dire que forum sous diversité a fini 1er novembre Cap Vinila. Et puis actualité en pays d'Haïti, crise politique là continue à offrir divers développements 6 mois après CTPA monté sous pouvoir. Actualité en pays d'Haïti, dans un petit moment à propos là. Actualité dans le pays d'Haïti, presque un mois depuis l'école l'ouvrit officiellement, en pile timoun poko capable de reprendre chemin l'école. Yon correspondance depuis Port-au-Prince. Les côtés violence et insécurité pas permettre l'école fonctionner. C'est un gros tête chargé pour le conseil présidentiel. La Saline, c'est une parmi quartier dans Port-au-Prince, porte l'école aurait été fermée à cause de violence gang depuis plusieurs années. Si moun yo ki pa sonje depi ki lè yo chita sou bon l'école te manifesté nan kati yo pou fosi autorité yo voye je gade yo. L'école ferme pa pou moun ki kal l'école moun ki gen mwa gwo piti pou l'école l'autre côté. Moun ki chi mè prepe y a fè sa yo vle gade l'école ki ka ouvre gado l'école an ba. Moun fè pil balade. Pa pou moun ki kal l'école yo ferme tout l'école net. Dal mè pou l'école ouvre pou piti ta ou moun demè. Pour l'État faire toute l'école ouverte, pour moi l'école ça laisse ouvert à toute l'école lycéenne. Les gens qui nous font battre pour passer l'école lycéenne, même moi si on y aura qu'à l'école. Et bien, je suis dans la salle, je n'en ai pas à faire un école. Je suis dans la garde, je suis dans les lycéens là. Je ne sais pas comment on fait, je suis dans la garde. C'est un baptême, nous besoin yon appli l'éducation pour la Saline Kafleri, professeur l'école la Saline yo, koré revendication timoun yo. Nous tout secteur, toute organisation, à tout moun qui vit dans la Saline, nous continuons à mettre toutes ressources nous ensemble jusqu'à ce que moun qui concerne yo prend engagement yo pour espace l'école dans la zone nan tant que lycée national la Saline, Don Bosco, Salésienne. Centre d'éducation des enfants démunis de la Saline, là côté Nouéa. Jouen accompagnement à pour réaménagement pour l'école ça yo réouvert porte yo pour l'appli l'éducation nous besoin tomber sous la Saline pour l'espoir carré bougeonner. Dans commune Kafou, revendication yo pas différent. À côté mauvais la vie a connaît, ti moun ka vive dans cette dake là yo même tout, qui plus passé 3 années depuis yo pas l'école. Employé qui t'a manifesté dans la cour Saint-Là a expliqué. Si mon n'a pas allé l'école parce que vous pas de souliers, vous pas de uniforme, vous pas de matériel scolaire et employé pas touché. Si mon n'a 3 ans depuis vous pas l'école ici. 3 ans. Cependant, président collège transition Leslie Voltaire fait connait éducation pays a ses priorités pour voir en place là. Nous avons budget pour l'année 2024-2025 là, c'est ministère éducation nationale qui joue un petit gros morceau. Ça montre nous place éducation en période transition. 42,58 milliards goud, ministère éducation nationale et formation professionnelle sorti avec plus gros enveloppe dans budget exercice fiscal année 2024-2025. VOA Créole, Port-au-Prince.
Toujours dans le pays d'Haïti, Dr. Claude Joseph, leader parti EDA, a demandé même parti li qui est dans le gouvernement pour pas siéger à conseil ministre là avec trois conseillers qui impliqués dans le scandale BNCA. Yves Manuel. Leader parti engagé pour développement aidé confirmé li voye yon correspondance ak ministre défense lan Jean-Marc Antoine Berthier côté le mandel pas participer dans anken conseil ministre avec trois conseillers qui impliqués dans scandale 100 millions goud BNCA. Nous écrit ministre défense pour nous mandel pas participer dans aucun conseil des ministres. Et de fait, n'a aucune rencontre qui vient toi, M. Savaladam. Ancien locataire privatien continue exiger pour mettre sous côté trois conseillers SAO, une façon pour éviter KPTA pas éclater. L'imandé président conseil présidentiel là, Leslie Voltaire, avec chef gouvernement Gary Conny, pour prendre acte que M. SAO y a inculpé. Juge instruction Benjamin Fils-Aimé convoqué conseiller président Louis-Gérald Gilles pour 19 novembre Cap Vinila, toujours dans le cadre dossier ça. Convocation Raoul Pierre-Louis, ancien directeur BNCA, qui lui-même doit répondre à la question du juge là, 12 novembre, qui a fini là. N'a fait qu'on est, Premier ministre Gary Conny, te boucanté la parole, journée madien, avec représentant accord 21 décembre, sous possible remaniement dans le gouvernement. Selon M. André Michel, qui a participé dans la rencontre là, message là, t'es clair avec Premier ministre là. Redressement transition politique là, doit passer inévitablement par mise à l'écart conseiller présidentiel qui cité dans le rapport ULCCA et actuellement qui inculpé devant cabinet d'instruction. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Ou sous VOA Creole, nous avons mis depuis Washington. En Haïti, un atelier 3 jours, le ministère de la Justice a organisé en faveur brigadier sécurité publique sous thème sécurité publique et environnement scolaire. C'est un atelier qui visait renforcer capacité brigadier pour améliorer sécurité dans la zone établissement scolaire. Depuis 17 octobre passé, NEC Améo intensifié série attaques qui étaient habitué fait sous quartier Solino et Akaye pour prendre contrôle de zone Sayo. Ça qui la cause, plusieurs dizaines d'habitants courus quitter la caillou pour pas victime en babal à tout fait. Mais, ministre justice et sécurité publique là, M. Carlos Sécule, dit force l'audio gain contrôle situation, contrairement à ce qu'a dit, lui fait connaître que gouvernement pas fait bac devant bandit. Pour nous la cahier, tant bien que mal, la police arrive et contenu situation. La police est présente, même genre au niveau de son, la police est présente. Et d'après fait tout ça que nous connaissons, la police, les forces publiques ont fait tout ça que nous connaissons, Solino pas tombé. Ministre Justice, là, M. Carlos Sécule, fait déclaration ça dans le cadre d'organisation. Yon atelier formation 3 jours, ministère la justice et sécurité publique a organisé en faveur brigadier sécurité publique yo pour capable améliorer sécurité ya dans zone établissement scolaire yo. Renforcer sécurité ya pendant période l'école là, mais le outil sécurité ya c'est pas seulement question et protéger de simon yo contre criminalité que nous connaissons, mais c'est surtout yon accompagnement, le yon même, y a rentré l'école, le y a sorti l'école, parents yon tout sur nous, avec question de véhicule et de moto. Atelier formation ça, t'es démarré lundi 28 octobre 2024 là, pour clôturer demain mercredi, l'a déroulé sous thème sécurité publique et environnement scolaire. Wenan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Ou toujours sous VOA Creole, pas déplacé, n'a pas tourné dans un petit moment. Et puis, défilé Lagos Fashion Week 2024 là, nous prenons le détail avec Sandra Lemaire. Super vedette Afrobeat Davido, surprend fanatique yo 24 octobre, l'a été participé dans le défilé Lagos Fashion Week 2024 là. Davido participé dans le défilé Maudisrad, garçon nigérien qui relait Hugo Monnier.
li mette charme ak pouvoi vedette li pou promouvoi Ral Monsieur et pi bay patisipan yo gwo kè kontan. Let me just tell you, Nigerian designers are not playing. Le ditem di yo, modis Nigerian yo pap jwe non, mte kontan, epi mwen reme surprise Davido a nan fin an. Sete suk sou bonbon, perfeksyon. Lagos Fashion Week, se yon nan pi gwo defile mode Afriken yo, e li deroule chak ane nan kapital Nigerian nan. I will describe the Lagos Fashion Week 2024. Nta dekri Lagos Fashion Week 2024 la kom inklizif. Nou gen manken ki gro, nou gen moun tout koule, ak moun tout tay. Pi bel mouman, sete Davido. Lagos Fashion Week lanse en 2011 e li vin tonen depi lè a un platform important pou montre koleksyon rad modis Afriken yo e pi klere lumyen sou sak a la mod an Afrik. I think it's great. I think... Me di m kwa se yon bel bagay, modis yo amelyore, kalite travay yo amelyore, variyete a amelyore. Men, m tan remen wè, plus modis fam. Tem Fashion Week Lagos la, ane sa, se te komune. El ite vize celebre l'esprit kolaborasyon a kreativite modis Afriken yo. Sandra Lemaire, VOA, Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire et c'est avec Daniel Potasia que nous avons été fin dans le programme. C'est un plaisir. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain. Et pour te permettre que pour ta une solution qui baille avec situation ça. Parce que nous capables de garder et observer en même temps que c'est une véritable bataille que tous les des têtes exécutifs là qui s'est capété OK qui s'est capété qui s'est connu yo la qui est un véritable gourmet OK un véritable gourmet une véritable bataille pour que yon capable montrer c'est le plus gros chef passé là. OK. Ça a besoin montrer et les plus gros chef passer l'autre non. Et dans l'idée et dans souci pour montrer c'est ça plus gros chef passer l'autre non. Ça vient faire que ni capété ni koni gouvernement koni en entier et ni capété hein. Il y a tous les dé à régler ça fait personnel yo. OK. Et ou pas gè causer pays après régler. Parce que bon dit nous bagay ki clair. Lè que d'abord, on gade koni. Koni fait plus que 12 ans ou bien 11 ans de li pa nan pays. Peut-être s'il y entré, li ka entré pour les bagay personnel, familial peut-être. Et puis, il va même rester, même il tourner aux États-Unis. D'ailleurs, Koni c'était un gros cadre dans le niveau des Nations Unies. Elle dit Koni, monsieur est certain que depuis le Koni par Premier ministre Matéli, il est déconnecté de sa capacité en Haïti. Peut-être qu'il attendait la nouvelle. Mais, je ne sais pas si c'est un monde qui est connecté de la réalité haïtienne. Hein. Koni pral refè connaissance de Haïti, monsieur est certain. C'est là que li gen garanti, très bien. C'est là que li gen garanti que Ariel Henry pralé et li même li commence à ranger causel. Li commence à préparer terrain pour le retourner sous marché, pour le retourner sous terrain. Pour le retourner sous scène politique là. Et c'est là bagarre la compliqué. Hein. Avec l'équipe dicton qui dit l'homme à bord au pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Elle dit l'homme pas sous pouvoir. OK.
les que vous passez au pouvoir, ou est tout sorti café, vous comprenez? Et puis, l'on vient sous pouvoir, sorti comprendre, non, sorti penser, et sorti imaginer, parce que, moi, c'est dans l'imagination que peut-être connu, puisque le patron pays, il était essayé de regarder la réalité pays d'Haïti. Mais quand l'on vient dans la réalité, qui c'est comme premier ministre qui l'a, il dit, eh, ça me dépense, ça me dérête croyant, ça me d'abdi, et pas salier, non? Vous comprenez? Ça me dépense, ça me d'abdi, ça me décroyant, et pas salier, non? Et ça m'a dit, libéral prouvé. Libéral prouvé que Kony, Gary Kony comme PM, chef CSPN, ministre intérieur à collectivité territoriale, libéral prouvé que, libéral prouvé que Kony, ligue les potes qu'on comprenne, ça gué là. Parce que, les que m'tendez, chef cabinet Gary Kony m'a parlé de Nesmi Maniga. M'a parlé de Nesmi Maniga. Nesmi Maniga sur antenne radio Magique 9. Li fait qu'on est que PM Gary Kony li était minimisé en plein insécurité. A dit Les pas de comprendre ni c'est les intimations ça. Isaac fait les coups ni t'as dit avec bandit armé yo déposer les armes reconnaître autorité de l'État. C'était un bagage comme si les deal et puis c'était fini parce que il était pensé vraiment bandit va déposer les armes il va reconnaître autorité de l'État ou dis-moi est-ce que l'État pral utiliser de stratégie pour le capable baronner. Soit fait n'est que déposer les armes de façon par voie et dialogue, discussion, s'allier. Hein? Et puis, ça mérite juger, juger, ça mérite arrêter, arrêter. Et ça qui va décider d'obtempérer d'ouvrir force de l'audio, ça va arriver. Connie peut-être, bah, on est qui ça, formule et plein l'antéye. Mais c'est ça, me pensais que l'ité qui est dans la tête. Et voilà que je dis, hein, réalité, hein, l'éprouvé contraire, il mettait Gary Kony comme chef CSPN, comme premier ministre, comme ministre intérieur, le premier des policiers, il mettait dans une situation, je ne vais pas dire impossible, mais difficile, compliqué. Parce que Pabli est là, c'est Gary Kony qui a exécuté et mis en application. Feuille de août à 3 avril, qui signe en différents partis politiques, différents secteurs de pays, et qui t'a le chit à parler, négocier, discuter avec CARICOM. Avec CARICOM. Pour yoté ba nou conseil présidentiel transition ça bien que en pile moun te rele conseil présidentiel 9 têtes alors te rele 7 têtes de que parce que c'est 7 moun ki gen droit de vote et 2 l'autre pa gen droit de vote OK et konsa ou te wel et konsa ou te discuté mais pas oublier car il comment fait travail les États-Unis. CARICOM a fait travail États-Unis. L'a fait travail l'Occident. L'a fait travail communauté occidentale. Parce que c'est depuis une date qui était du 11 au 13 juillet 2023, les que tu as gagné PM Gary Kony
te gen de acteur politique société civile haïtienne non yo te allé Jamaïque soit ça yo te al chita parler avec autorité dans CARICOM dans pays Jamaïque pour garder comment que Ariel Henry te capable avancer et river soit organiser élection pour bien dire et permettre que pays a reprend droit grandette majeure. Mais pas oublier, m'a rappelé, m'a songé. Lè que Ariel t'est arrivé avec toute équipe qui était en dit différents leaders et ba ça yo qui t'est allé l'autre bois. M'a songé, selon ça la presse t'est rapporté, Ariel t'est clairement dit que li pas allé Jamaïque, li pas vinn Jamaïque. Il pas venir discuter avec acteur ça yo pour que ça relé un autre accord pas venir prendre dicté pas venir prendre non pas gagner autre accord parce que Ariel était ça confortable avec accord 21 décembre nan. Parce que là il était chita avec gouvernement transition là pour puisque il était faire des demandes auprès des Nations Unies pour bah on force robuste qui pour aider la police non il dit Ariel était déjà rangé causel que force ça pral venir matériel pral venir c'est si pral venir c'est la pral venir que pral entamer question insécurité et pral river établir la paix et puis prendre de disposition pour organiser élection dans le pays et ça tes plan Ariel mais Ariel pas de connait si t'es gain l'autre plan qui t'a qui t'a manigancé soit bon côté des leaders politiques de l'opposition soit bon côté nek armé yo OK soit bon côté des leaders politiques, soit bon côté leader et soit bon côté gang armé. Et je dis, hein, vous capable d'accord ça, vous capable admettre ça. Mais c'est moi dit armé yo matériel yo. Peut-être yo ka gen de acteurs politiques qui étaient dans opposition qui et puis de moun qui dans classe économique là qui utilisaient yo. Mais action visible, action concrète, action palpable que tout le monde capable voir, c'est bandi armé yo qui jeté Ariel. Et yo qui fait Ariel pas de rentrer dans pays yon. Avion pas de ca voler, bateau pas de ca rentrer, la machine en pas de ca circuler. C'est nèg armé yo. Bien que je dis assez, c'est honte pour n'a parler de cause ces nèg armé qui crase un pays, cap dirige un pays, mais son vérité. Mais je dis allez nous venir garder avec rivier capété hein. Avec Rivé KPT qui a négocié avec le gouvernement Koni, non? Ok. Avec Rivé KPT, hein? Que d'essayer de. Parti politique. Parce que, pas oublier, ça nous est là. KPT, c'est résultat classe politique haïtienne, non? C'est résultat société civile haïtienne, non? Alors, KPT et gouvernement Koni, non? L'issé résultat diaspora haïtien en tout. Et sans oublier, l'issé résultat communauté internationale qui en l'est, qui a téléguidé, qui a orienté, qui a dirigé ensemble de classe, ensemble de monde qui l'a eu. OK. Cap dirigé cap orienté ensemble de monde qui là yo. Ouais.
Et je dis, hein, ça que je veux comprendre, ça que je veux regarder, c'est exactement analyser, poser question, analyser, poser question et comprendre ça qui est là. Et je vais aller m'attendre et m'attendre comment que bataille qui est là, autant de KPT, autant de gouvernement qu'on y a tous les départs, il n'y a pas légitime. Et ce problème, ça, je dis à qui dérange un peu le monde. C'est deux têtes exécutives KPT qui jouent la présidence comme institution. Gaï connu comme premier ministre avec reste gouvernement là. Il n'y a pas allé dans aucune élection. Et pas peuple qui mettait où là. Nèg yo la son bas accord et qui publie un décret qui mettait nèg yo la. Vous comprenez? Nèg yo la son bas accord 3 avril et rapousse avec une question de décret et qui mettait nèg yo la. Qui mettait yo la? C'est deux trois feuilles papier mettait yo la. Si me dit comme ça, yo pas dans yo pas aller dans élection. Et puisque pas aller dans élection, et yo gen un temps très limité, yo c'est en période, yo c'est de autorité transitoire et yo connaît premier objectif un pouvoir de transition. Alors, une plus gros priorité c'est nous dire comme ça. Yo pouvoir de transition, c'est organiser élection. OK, pour que lui-même li passe maille là bay des autorités qui élu qui allait dans élection et que peuple là lui-même li choisi. Et ça lié. Et ça lié. D'un des capables clair que Jocelyn Privert qui était venu remplacer après Matéli comme qui était en période de 1 an combien mois devant comme l'amel pour que l'été organise élection. Nous est qu'il était prend toute disposition. Il t'a organisé l'élection. Bien que, on dit bagarre, contexte pas même, non? Contexte pas même, non? Contexte pas même. Parce que, dans les privés 2016, je ne sais pas si je me trompe, 2015-2016, tu as gagné sécurité, certes, mais pas dans le niveau ça. T'es de groupe armé, nous d'accord. Mais il pas dans le niveau ça. Il pas dans le niveau ça. Mais je dis à Sanab vivre là. C'est une situation inhumaine. Elle dit, et par condition moun à vivre comme si Jean-Pierre est là. Non. Jean-Pierre est là et par condition. Mon a vive. Et tout le monde d'accord ça. OK. Tout le monde d'accord ça. OK. Mais Kounia, est-ce que tout problème qui existait, est-ce que par une solution capable de joindre? Même arithmétique là, qui vient de exercice physique qui tellement dit la donne, bien, qui tellement RVP, Chamjonge, longtemps. Ça m'a dit à mon qui était là, époque 4, fin 80, commençant 90, yo, qui était l'école, yo connaît un grand bout physique qui est le RVP Char. Regardez, c'est de exercice en dedans livre ça m'a pas bon menti.
faut lever bonnet pour résoudre. Mais quand même, tu as des formules qui te qu'on utilisé pour capable résoudre exercice ça yo. Qui donc pour montrer que c'est vrai comparaison n'est pas raison. Parce que m'a pas pour une réalité livre avec une réalité mon a vivre. Mais quand même, est-ce que ça Haïti a vivre là je dis hein? Est-ce que pas de gain de pays qui t'a vivre des situations plus difficiles que ça? Yeah. Est-ce que pas de gain de pays qui t'a vivre des situations plus compliquées que ça et qui t'a gain de autorité qui veut pays s'avancer et qui te prend de disposition et qui retire pays yo dans réalité que il y a? Est-ce que je dis hein, si que nous avons des autorités, si que nous avons des gens en de pays ça. Même si nous n'est pas comme si nous pour nous, non? Nous placer comme nous y aurait les autorités. Yo. Si nous avons des gens qui sont là, okay. Si nous avons des gens qui sont là, on met quand même que m'ba di jodi ak demain, m'ba di nan 1 an, 2 an, 3 ans, 4 5 ans, mais au moins y a commencé poser base là. Yeah, y a commencé poser base là. Et les que poser base là, ça permet que yo rive et quand même atteindre sa visé. Est-ce que ça a visé pour 5, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, pour 30 ans? Mais quand même, parce que parler de Haïti, open for business d'ici 2030, mais il faut commencer. Mais non en 2024. Très bientôt, comme en 2025. Bon, là, moi, tu es premier ministre, moi, c'est en 2012 mais 2013, si je me trompe. L'été lancé slogan Haïti, open for business non, d'ici 2030. Haïti, pral mettre sous voie, ça. Mais faut que tu aies un base qui t'est déjà planté. De là là moi t'a dirigé puis Matéli. Arrivé jeudi aujourd'hui là, est-ce que pays d'Haïti avance mais fait bac? Regardez ça. Il clairement dit que pays a vinn plus mal. Pays a vinn 10 fois plus mal. Et je dis en pile monde d'accord que régime PHTK est première version avec Matéli. Mettez avec l'autre qui vient en après lui jusqu'à côté ni là. Il pas innocent dans le problème pays. Il pas innocent dans question jeune ti moun alors adolescent jeune 19 18 20 combien années qui kebe zam nan mais yo. Dem pa konn si nou wè ça. Nan sa ka passe sur les noix là. En pile dans ti vidéo nou c'est ou ki bon ti moun. Est-ce que nous avons une équipe de Timoun? Il y a une équipe de Timoun. Il y a une équipe de Timoun. Il aime dire une équipe de Timoun. C'est-à-dire, des adolescents même, parce que vous après, dans la base 400 Marozo, dans presque toute base mondiale, mais vous après, des petits adolescents. Adolescents, vous êtes comme ça. Timoun 14, 15, 16 ans. Avec gros âmes nan men yo, zam bon an yo, son fierté pou yo. Et yo déjà vle assurer la élève de gros nek ki la yo, parce que konnen, li bon certain temps, nek sa gen do pa la ankon. Et lè sa se pral yo même. Li bon certain temps, gros to sa pap la ankon. C'est vrai lui-même. Si eux-mêmes tout pas l'état pas fait un jeu pour gétant encadrer yo, désarmer yo, réinsérer yo dans société. Elle dit là, est-ce que problème n'a pas enduré là yo? OK? Est-ce que problème a enduré là yo?
Est-ce que pas plus que ça? Est-ce que pas plus que ça? Mais pendant que les plus que ça, faut nous penser tout pour nous comment pour nous résoudre les. Comment pour nous résoudre les? Yeah. Et c'est là que je pense que chaque haïtien et chaque monde doit être capable de comprendre, doit être capable de regarder comment